Coucou Célia, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'opération qu'on n'avait pas vue la fois dernière, donc la soustraction, et ensuite on va voir la représentation des nombres. Donc là, je vais reprendre mes petits carrés comme d'habitude, comme la fois dernière, et là il y en a 8, et je voudrais soustraire, donc un petit moins, et par exemple, je voudrais en enlever 5, on va dire. Donc là, j'en prends 5, on va faire un petit copier-coller, et je mets là. Donc la soustraction, c'est pas compliqué en fait, on va enlever du premier nombre ici là où il y a 8, on va enlever les 5 d'en dessous. Donc de cela, faut que je retire cela, donc ça me fait enlever ça. Donc celui-là il s'en va, hop, on enlève ça. Et donc il me reste les 3 qui sont là. Donc le résultat de 8 moins 5, eh ben, il reste que ces trois-là. Donc ça nous fait 3. Donc 8 moins les 5 qui étaient ici, ça nous donne les 3 qui sont là. Donc voilà. Voilà pour l'opération. Maintenant, juste, on peut se demander, avec l'addition, en fait, on pouvait, quand on avait vu que faire 5 plus 3 ou 3 plus 5, c'était la même chose, ça faisait 8. Alors là, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut inverser? Donc est-ce que c'est commutatif? Est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que 8 moins 5, c'est pareil que 5 moins 8? Alors, en fait, c'est pas pareil, parce que là, ici, on a vu que c'était 3, mais là, on voudrait enlever 8 éléments de 5 simplement. Donc on voit qu'on veut en enlever trop. Donc ça va pas être le même résultat. Alors, tu verras plus tard, en fait, que ça donne un nombre négatif, ça donne moins 3. Mais ça sera que plus tard que tu verras ça. Maintenant, ce que ça veut dire, voilà, c'est que c'est pas commutatif, on peut pas changer l'ordre. Changer l'ordre, ça change le résultat. Après, on pourrait se demander aussi, comme la fois dernière, est-ce que si je fais par exemple 8 moins 5 moins 2, je fais d'abord ça. Est-ce que c'est pareil que de mettre les parenthèses ici? Alors on va regarder avec nos petits carrés, voir ce que ça donne. Donc j'ai mis les 8 ici. On va mettre là. Ici j'ai mis le 5 et ici j'ai mis le 2. Donc ce qu'on essaie d'abord de faire, c'est 8 moins 5. Donc ça veut dire qu'on enlève ça, ça, ça. Ça. Donc il nous reste ces trois là comme on avait vu ici et maintenant on en enlève deux donc en fait il nous en reste qu'un seul donc ça nous donne 1. Maintenant si on fait celui-là ça fait quoi? Donc là cette fois-ci on fait d'abord 5 moins 2 donc 5 moins 2 donc 5 moins 2 on va retirer ça donc il nous reste ces trois qui sont là. Donc ici, c'est 3. Et maintenant, les 8, eh ben, on va retirer ces 3. Alors, je vais prendre les 8 ici. Et du coup, on va retirer les 3 qui sont là. Il nous en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, maintenant, on a un autre résultat. C'est 5. Donc, on voit que contrairement à l'addition et à la multiplication, là, l'ordre des parenthèses, l'ordre du calcul est important. Donc là, on avait 8 moins 5, ça fait 3. Et 3 moins 2, ça faisait 1. Et là, on avait 8 moins, et ça, 5 moins 2, ça faisait 3. Donc 8 moins 3, c'est égal à 5. Donc on voit que les deux résultats sont différents ici. Donc voilà pour la soustraction. Et ben, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. Ok, donc je vais mettre une soustraction ici. Alors on va mettre par exemple ce nombre-là. Donc 180 973. Et on va lui soustraire un nombre plus petit. Donc on va mettre 9 par exemple, 2, 7, 8 et 5. Donc là, on va commencer par les unités.
Donc 3 moins 5, ça serait 3 est plus petit que 5, donc on va mettre une dizaine en plus. Donc 13 moins 5, ça va faire 8. Et on n'oublie pas, là, comme on a rajouté une dizaine, de rajouter 1 ici. Donc maintenant on arrive ici, ça fait 9 de ce côté-là, 7, encore une fois, 7 c'est plus petit, donc on rajoute encore 1, donc ça fait une dizaine, ça fait 17. Moins 9, 17 moins 9, ça fait 8. Et comme on a rajouté ici, on n'oublie pas de rajouter là. Donc là maintenant on a 9 moins 8, ça fait 1. On a, alors 0 c'est plus petit que 2, donc on rajoute encore ici, ça fait une dizaine. 10 moins 2, ça fait 8. On n'oublie pas ici. Là ça fait 8 moins 10, donc ça va pas. On rajoute une dizaine, donc 18 moins 10, ça fait 8. On n'oublie pas de mettre ici, et 1 moins 1, 0. Donc, si je ne me suis pas trompé, normalement, on obtient 88 188. Alors, toujours avec Python, je vais regarder si je ne me suis pas trompé. Donc, on va mettre 180 973 et moins, donc, 92 785. Et on obtient le bon résultat. Donc, on va faire maintenant un petit problème. Donc on va faire maintenant un petit problème issu de ton bouquin, donc à la page 27. Donc on va faire le problème 71. Il va y avoir des soustractions là-dedans. Donc dans ce problème-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un problème de pièces de collection. Et donc Ivana possède 2843 pièces de monnaie de collection. Donc son frère Gabriel en possède 541 de plus. Donc Ivana donne 163 pièces de sa collection à son frère. Avec celles que leur père vient de lui donner, Gabriel en a maintenant 3988. Donc première question, on veut savoir combien de pièces Gabriel a-t-il reçues de son père. Tu vois, là c'est les anciennes pièces, en fait c'est avant les euros. C'est les francs là qu'on voit. Donc 5 francs ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va nous demander? C'est combien de pièces Ivana et Gabriel possèdent-ils à eux deux? Donc, il va y avoir des soustractions et des additions dans ce problème-là. Donc, je te laisse réfléchir un peu si tu veux. Alors, on va essayer de résoudre ça. Donc, on nous dit que ça, c'est pour Ivana. Ivana. Donc on va regarder son nombre de pièces. Donc 2843 pièces. Donc j'essaie de regarder les données du problème. Et on dit que Gabriel, alors Gabriel, en possède 541 de plus. Donc ça veut dire qu'on a, comme Ivana en a 2843, ça veut dire qu'il en a, alors plus 541. Donc là, on a le nombre de pièces pour l'instant de Gabriel. Ivana en donne 163 de sa collection, donc ici, à son frère Gabriel. Donc ça veut dire qu'elle va en avoir 163 en moins. Mais comme elle les donne à Gabriel, ben lui, il va en avoir 163 en plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec celle que leur père vient de lui donner, Gabriel en a maintenant 3998. Alors ça va être... Hop, on va regarder ça après, mais pour l'instant, on va faire les calculs. Donc c'est parti pour Ivana. Alors, on va faire ça là. Donc 2843 moins 163. C'est parti. 3 moins 3, 0. Alors ici, 4 c'est plus petit que 6, donc on rajoute une petite dizaine. 14 moins 6, ça fait 8. Faut pas oublier d'en mettre un en plus ici. Donc 8 moins 2, ça fait 6. Et ici, 2 moins 0, quand il n'y a rien, c'est 0. C'est 2. Donc Ivana, vu qu'elle en a donné à son frère, maintenant, il lui en reste 1680. Et on va calculer ça pour Gabriel pour l'instant. Donc on a 2843 plus 541
plus 163. Alors c'est parti. 6, 7, 8 et 6, 14, 4, je retiens 1. Alors moi je vais essayer de faire 10, comme ça c'est plus facile à calculer. 8 et 1, 9 et 1, 10 et 5, 15. 5, je retiens 1. 1 plus 2, 3. Donc pour l'instant, Gabriel, il a 3547 pièces. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Son père vient de lui en donner et il en a maintenant 3998. Bon, déjà, on voit qu'heureusement que c'est plus grand que ça. On voit qu'on s'est peut-être pas trompé du coup. On est plus confiant. Mais on voudrait savoir combien son père lui en a donné. Donc, il faut savoir. Donc, son père lui en a donné 3000. Son père, pas lui en... son père ne lui en a pas donné 3000, je suis bête. Son père lui en a donné et maintenant, il en a en tout 3998. Donc, ce que je veux savoir, c'est pour passer de là à là, il y en a combien? Donc là, on va faire une soustraction. Ce qui va nous indiquer, bah justement, la différence entre ça et ça, c'est le nombre de pièces que le père a donné. Donc si on fait ça, on va savoir en fait combien il faut rajouter de pièces pour passer de ce nombre-là, donc celui-là, à ce nombre-là. Alors si on fait la soustraction, ça nous donne 8 moins 7, 1, 9 moins 4, 5, 9 moins 5, 4, et 3 moins 3, 0. Donc, il nous en a donné 451. Donc, si on ne s'est pas trompé, normalement, pour vérifier, ce qu'on peut faire, c'est voir si vraiment 3547 plus 451, ça nous fait bien le nombre de pièces que j'ai en tout maintenant que mon père m'a donné les pièces. Donc, on peut faire cette petite vérification. 3547 normalement plus ça, ça devrait nous redonner ce nombre-là. Donc on va vérifier quand même. 8, 9, 9 et 3, c'est bien. On ne s'est pas trompé. Donc la réponse à la question 1, là on a la réponse maintenant. Je vais la mettre là. La réponse à la question 1, c'est Gabriel a reçu 451 pièces de son père. Alors, juste un petit truc. Alors, juste un petit truc. Ici, j'ai remis les 8. C'est juste pour te dire comment j'ai. En fait, je t'ai dit que 3998 moins 3547, ça faisait 451. Et après, du coup, ça voulait dire que 451 plus 3547, ça donnait 3998. Donc, on peut le voir plus facilement avec des petits carrés. Si jamais je te dis, je veux faire 8 moins 5. Donc 8 moins 5, on avait vu que c'était 3. Donc si j'enlève, du coup là j'ai mes 8 et j'en enlève 5. Donc on voit bien qu'il nous en reste plus que 3. Maintenant du coup, si je fais 3 plus 5, eh bien je vais réobtenir les 8 de départ. Et on le voit bien ici en fait, parce que si je remets ces 5 là que j'avais enlevé, donc 3 plus 5 maintenant, et boum, et ben je retombe bien sur les 8 du départ. Donc c'est exactement ce que j'ai montré là, ce que j'ai fait là. Si je l'écrivais comme ça plutôt, 8 moins 5 égale 3, et bien on voit bien que 3 plus 5 égale 8. Donc voilà. Donc alors, il nous reste quand même la deuxième question. La deuxième question, c'était quoi? Combien de pièces Ivana et Gabriel possèdent-ils à eux deux? Ah ben ça va être juste une petite addition. Donc si on revient, on a quoi maintenant? Donc voilà ce qu'on a fait. On a ici le nombre de pièces d'Ivana et le nombre de pièces maintenant, une fois que son père lui en a donné à Gabriel en plus, on a vu que c'était 3998, donc ici, plus les 451, c'est 3998.
Donc voilà, on a le nombre de pièces d'Ivana et Gabriel. Il suffit de faire une petite addition pour faire la somme. Donc c'est parti. 3998 plus 2680. Alors bien sûr, je peux faire 2680 en haut plus 3998, le mettre en bas, c'est pareil. Alors c'est parti, 8 plus 0, 8. 9 et 8, 17, je retiens 1. 10 et 6, 16, je retiens 1. 4 et 2, 6. Donc on a la réponse à la question 2. Donc en tout, ils ont pas mal de pièces. Donc on va mettre ici la réponse. Et donc on a 6678 pièces à eux deux. Donc on a résolu l'exercice 71. On va maintenant regarder la décomposition des nombres, donc la manière dont on représente les nombres. Alors notre façon de représenter les nombres, ça s'appelle le système positionnel. Donc si jamais j'écris par exemple 2342, ça, dans cette position-là, donc la plus à droite, ce sont les unités. Ensuite, ici, il y a les dizaines, donc les centaines, les milliers. Donc on voit que suivant la position, en fait, ça ne représente pas la même chose. Parce que ici, ça représente 2, mais là, ça représente 40. Ici, ça représente 300. Ici, ça représente 2000. Donc voilà pourquoi on appelle ça le système positionnel, parce que la position a son importance. Alors, on pourrait se demander pourquoi ne pas écrire, en fait, tout avec des bâtons simplement. Donc dire que 1 c'est ça, 2 ben, c'est ça, 3, 4, 5, etc. Alors, je vais montrer un petit exemple là, ici. Je fais un petit programme pour afficher en fait en bâtons et en système positionnel. Et tu vas te rendre compte que c'est très long d'écrire avec des bâtons. Et en plus faire des multiplications avec des bâtons, je ne sais pas trop comment on fait. Donc là, si on regarde, je vais lancer mon petit programme. Donc je vais dire par exemple, allez, jusqu'à 10. Donc là, si tu regardes, j'ai écrit le nombre dans le système positionnel, donc classique ce qu'on fait d'habitude, et ici les bâtons. Donc là, il y a 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5, etc. Donc c'est plus compact, on voit la représentation classique. Alors si on va un petit peu plus loin, on va mettre 100 pour voir. Alors là, c'est carrément évident, ça fait un joli dessin, mais on voit bien que c'est super lourd pour écrire les nombres. 99, il faut 99 bâtons. Donc imaginons que je te demande d'écrire 1 200 000. À ton avis, il te faudrait combien de bâtons? Donc il faut 1 200 000 bâtons. Donc ça voudrait dire que tu passerais ton temps à écrire des bâtons. Donc bon, si je lance ici sur 10 000 par exemple. Donc on voit que les bâtons, ça prend toute la place. Ici, j'ai été jusqu'à 9999. Et on voit, voilà, il faut tout ça comme bâtons. Donc c'est juste ingérable en fait à écrire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas des bâtons. Et on utilise le système positionnel. Donc dans le système positionnel, comme on vient de voir, tu as ici, quand tu mets un nombre ici, alors nous, on utilise le système dit décimal, c'est-à-dire qu'il y a des nombres de 0 à 9. Donc ça veut dire qu'il y a 10 nombres différents. Donc c'est sûrement parce qu'on a 10 doigts, je suppose. Mais ici, en fait ici, c'est les unités. Donc ce qu'on fait pour ce qui est ici, on fait multiplier par 1. Donc en gros, on laisse tel quel. Par exemple, si j'écris 4 ici, ça veut dire ben, c'est 4. 4 fois 1, c'est 4. Quand c'est à cette position-là, ce sont les dizaines. Donc ici, on fait x 10. Et là, par exemple, si j'ai écrit 8, ça me fait 80 ici. Quand c'est ici, c'est x 100. Donc là, si j'ai 2, ben, c'est 200. Ici, c'est x 1000, et je pense que tu vois le truc. Donc je sais pas, si j'ai 3, c'est 3000. Ici, alors ça commence à être dur à écrire, il n'y a plus beaucoup de place, mais ici, c'est 10 000. Donc là, je sais pas. Alors, si je mets un 0 ici, c'est-à-dire que c'est 0 fois 10 000, donc c'est 0. Et ici, ça va être 100 000.
Alors, je vais essayer d'écrire petit. Donc, imaginons que j'ai mis un 1, ça fait 100 000. Ici, ça va être 1 million. Donc, on voit qu'on fait x10 à chaque fois. Donc, pour passer de celui-là à celui-là, c'est x10, etc. Donc, pour passer à celui-là, ça va être maintenant 10 millions. Donc, je ne sais pas s'il y a 5 ici, c'est 5 fois 1 million, donc 5 millions. Et imaginons que j'ai 9 fois 10 millions. 3, 1, 2, 3. Donc voilà. Et on continue ainsi de suite vers la gauche. Donc voilà le système qu'on utilise tout le temps et que tu as l'habitude d'utiliser. Donc c'est pratique parce qu'en fait, on n'a pas à écrire. On peut représenter des très grands nombres avec très peu de place en fait. On voit là, ce nombre, il est énorme. Alors c'est combien ça? Si je me repère en faisant ça, donc là c'est 95 millions. Donc en fait, si on devait le faire, alors je vais le lire d'abord, 95 millions 103 284. On peut imaginer comment ça serait dur à écrire avec des bâtons. Et là, pour obtenir ce nombre-là, ben c'est juste 9 fois 10 millions plus 5 fois 1 million plus 1 fois 100 000 plus 0 fois 10 000 plus 3 fois 1000, plus 2 fois 100, plus 8 fois 10, plus 4 fois 1. Donc voilà, alors on pourrait se poser quand même une question, pourquoi les nombres en fait ça va que de 0 à 9? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pourquoi dans une case j'ai pas le droit de mettre 10 par exemple, ou 11, ou 12? Imaginons. On va voir si je rajoutais un autre symbole, le triangle, ça serait égal à 10 par exemple, et une fleur par exemple, ça serait égal à 11. Et je veux pouvoir utiliser ces deux symboles en plus que 0. Donc je veux pouvoir toujours utiliser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus le triangle et la fleur. En fait, si on faisait ça, on pourrait écrire le même nombre de deux façons différentes. Donc ce serait pas pratique d'avoir pas une seule représentation unique pour le même nombre. Pour comparer les nombres, ça serait pas facile. Quand je parlerai d'un nombre, en fait, on pourrait l'écrire de plusieurs manières. Donc on n'a pas envie d'avoir ce genre de configuration. Et alors, juste pour t'illustrer pourquoi on pourrait avoir deux représentations pour le même nombre, donc imaginons que je veuille représenter 101. 101, comme on a vu, ben ça fait ça. Donc 1 fois 100 plus 0 fois 10 plus 1 fois 1, ça fait bien 101. Mais je pourrais aussi le représenter. Alors tu peux essayer de voir comment on représenterait 101 aussi si jamais j'avais ces deux nouveaux symboles, triangle et fleur. Donc un triangle, ça vaut 10 et une fleur, ça vaut 11. Donc comment on peut faire? Donc on va regarder ça. Je pourrais mettre en fait ici une fleur. Donc ça me ferait 11 et je pourrais mettre un 9 ici. Donc je pourrais écrire 101 comme ça, mais je pourrais aussi l'écrire, alors c'est joli avec une fleur, mais je pourrais l'écrire comme ça. Donc il y aurait deux façons d'écrire 101. En fait, il n'y aurait pas que deux façons. Est-ce que tu peux trouver une troisième façon? Donc la troisième façon, ça serait d'utiliser mon triangle. Donc je mettrai un triangle ici et je mettrai un 1 ici. Donc encore une façon différente d'écrire le même nombre. Donc on voit que c'est pas pratique parce que pour comparer les nombres, ça veut dire maintenant que ceux-là sont égaux avec des représentations complètement différentes. 9 avec une fleur, un triangle avec un 1 et puis 101 comme d'habitude. Donc voilà. Donc on n'autorise pas des symboles au-dessus du 9 quand on est en base 10. Donc ce que je présente ici, c'est la base 10, hein, ce qu'on a l'habitude. Je te montrerai tout à l'heure dans la vidéo, à la fin, une autre base. On peut utiliser d'autres bases que la base 10. Mais du coup, on ne va pas utiliser des symboles autres que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour notre base 10. Sinon, voilà, on obtient ce genre de choses qui n'est pas pratique du tout.
même si c'était joli, la petite fleur et le triangle. Alors, on va faire un petit exo. Ok, donc on va regarder cet exercice-là. Donc, on veut découvrir un nombre. Alors, on nous dit, je suis un nombre pair composé de trois chiffres. Alors, il y en a trois simplement, donc je peux effacer celui-là. Hop, on va l'enlever. Donc, deux, trois chiffres. Alors, mon chiffre des dizaines, donc les dizaines, on va... Donc ici, c'est unité, fois 1, fois 10, les dizaines, fois 100, les centaines. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, mon chiffre des dizaines est égal à la moitié de mon chiffre des centaines, qui est lui-même le quadruple de mon chiffre des unités. Qui suis-je? Oh, bah, c'est pas super facile. Alors, on nous a dit d'abord que le nombre était pair. Donc, un nombre pair, c'est par exemple 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En fait, c'est un nombre qui peut s'écrire deux fois un autre nombre. Donc, on voit que 0, c'est 2 fois 0. Celui-là, c'est 2 fois 1, 2 fois 2. Donc, voilà, il faut pouvoir l'écrire deux fois et quelque chose pour donner le nombre. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, comme il n'y a pas beaucoup de chiffres, c'est d'en essayer plusieurs et voir celui qui va marcher. Donc, on va quand même... Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Alors, on nous dit que les centaines, donc ici, c'est le quadruple des unités. Donc, ça veut dire que le nombre qui est là, si je l'appelle, par exemple, C pour centaines, dizaines, unités, donc C, ici c'est C, dizaines, D, unités, U. Donc, on nous dit C égale 4 fois U. Ok. On nous dit que quoi d'autre? Les dizaines, c'est égal à la moitié de mon chiffre des centaines. Donc, dizaines, c'est égal à la moitié des centaines. Donc, la moitié, on peut l'écrire comme ça, divisé par 2. On va revoir la division. Alors, je vais l'écrire comme ça, divisé par 2. Et voilà. Donc, on n'a qu'à essayer toutes les combos. Pour toutes les combinaisons, pardon. Et on nous dit que le nombre aussi, donc C fois 100 plus D fois 10 plus U, 1 fois U, U fois 1, mais ça fait U, est un nombre pair. Et pair. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste tester plusieurs possibilités. Alors, je vais quand même réécrire C, D et U. Donc, on dit que C, c'est 4 fois U. Donc, on peut essayer tous les nombres ici, faire x 4 déjà ici. Donc, si on essayait 1, par exemple, est-ce que ça pourrait aller? On aurait 1, on aurait 4, et on aurait D qui est la moitié de ça. Donc, on aurait 421. Alors, le problème de 421, c'est que ce n'est pas pair. On ne peut pas faire deux fois quelque chose qui fasse 421. Je peux essayer, hein, mais imaginons. Alors, je vais essayer d'être le plus proche, de me rapprocher de 421. Donc, 200, 2 fois 200, ça fait 400, donc il faut un petit peu plus. 210, alors 2 fois 210, ça fait combien? Ça fait 420. Donc, je suis pas loin. On va essayer 209, alors. 2 fois 209. Alors, non, ça marchera jamais parce que c'est plus bas que celui-là, mais bon, allez, on va le faire quand même. 418. Alors, on va essayer celui d'au-dessus. 2 fois 211, c'est 422. Donc, non, j'ai pas de nombre qui, multiplié par 2, peuvent me donner 421 de nombres entiers. Donc, ici, j'ai essayé les nombres entiers, 209, 210, 211. J'ai fait x2 à chaque fois et j'arrive pas à tomber sur 421. Donc 421, c'est pas un nombre pair. Donc, bon, le 1 ici, c'était pas bon. Alors, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, un 2? On va essayer. Si on met un 2,
Il faut que le C ici, ce soit x4, donc 2 fois 4, 8. Et celui-là, on nous dit que c'est la moitié. La moitié de 8, c'est 4. 842, à mon avis, celui-là, ça va marcher. Alors, on va voir, est-ce qu'il est pair? Est-ce que je peux faire deux fois un nombre entier qui me donne 842? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait 2 fois 400, 400, 2 fois 400, ça nous donne quoi ça par exemple? J'ai l'impression qu'on n'est pas loin. 840, on n'est pas loin. 2 fois 421 égale 842. Si tu fais le calcul, tu vas voir que ça fait ça. Donc oui. Ça veut dire que 842, il est bien pair puisque je peux l'écrire deux fois quelque chose, deux fois un autre nombre entier. Donc j'ai une solution. J'aimerais bien voir en fait s'il y en a d'autres solutions. Donc 842, ça marche. On va voir si l'exercice ne permet qu'une solution ou plusieurs. Alors 842, ça marchait. On va tester un autre. Alors on avait essayé 1. 2, est-ce que je peux faire 3? Alors 3, ça va pas marcher. Si je mets 3 ici, ça fait 3 fois 4, 12, donc c'est plus que 9 ici, donc j'ai pas le droit. Donc ici, au-dessus de 3 ou 3, ça marchera pas. Donc on avait essayé 1, ça marchait pas. Il nous reste 0. On n'a pas essayé 0. Donc 0 fois 4, ça ferait 0. Et la moitié de 0, ça ferait 0 divisé par 2, en fait, ça fait 0. Ça, tu le sais peut-être pas. Mais ça, en fait, quand il y a des 0 partout, on le voit bien, 0 fois 100 plus 0 fois 10 plus 0 fois 1, ça, c'est égal à 0. Donc, en fait, c'est un nombre d'un seul chiffre. Et eux, ils nous ont dit, je suis un nombre pair composé de 3 chiffres. Parce que les 0, en fait, les 0 qui sont au début, si j'écris 1, par exemple, ben, si j'écris des zéros au début, ça change rien. Donc on n'écrit pas les zéros au début. Donc ça, on l'écrit 1. Je vais, par exemple, je sais pas, 802. Si je mets plein de zéros ici, ça reste 802. Donc ça, on l'écrit simplement 802. Et on ne dit pas que ça, c'est un nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. On dit que c'est un nombre de 3 chiffres. Donc, en fait, dans l'exercice, on n'avait bien qu'une seule solution, et c'était 842. Alors, j'avoue qu'il n'est pas super facile comme exercice. Ok, donc on va en faire un autre, et on va faire celui qui est page 27 de ton livre, qui s'appelle Devinette. À mon avis, c'est un peu la même chose, peut-être plus facile, on va voir. Donc, tu peux essayer de le faire. Donc, je vais faire celui-là. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, cette fois-ci, c'est plus costaud. Il y a 11 chiffres. Alors, je vais dessiner 11 petites boîtes. Ok. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mon chiffre des unités est le double de 3. Bon, alors, on va essayer de noter unités. Alors, ici, c'est 1. Pour les unités, c'est 10. Alors, je ne vais pas avoir de place, mais il y a une notation. Je vais utiliser cette notation. Quand je mets 10 puissance, alors c'est la puissance, mais c'est juste pour écrire moins. Faire ça voudra dire ça. Si je fais ça voudra dire ça. Si je fais ça, 10, on peut mettre un 1 ici, ça voudra dire 10. Si je mets ça voudra dire 10 000. Etc. Ça me permet de ne pas avoir à écrire trop de choses parce que je vais pas avoir la place ici. Donc là, ce sont unités, dizaines, centaines. Je vais mettre 10. Voilà, comme ça. Bon, ça s'appelle 10 au carré en fait. Mais... Ensuite, on va mettre 10 à la puissance 3. Donc ça fait 1000, 10 000, 100 000, 1 million. 10 millions, 100 millions, 1 milliard et 10 milliards.
On peut imaginer si on devait mettre des bâtons, 10 milliards de bâtons, ce serait vraiment trop trop long. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On en était là. Je suis un nombre, ça on l'a fait. On peut cocher cette case-là. Mon chiffre des unités est le double de 3. Donc le double de 3, 3 fois 2, ça fait quoi? C'est égal à 6. Donc le chiffre des unités, c'est 6. Ça, c'est fait. On avance bien. Mon chiffre des centaines de mille. Donc centaines de mille, 100 000, c'est ici. Donc 1, 10, 100 000, 10 000, 100 000. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est égal à la moitié de mon chiffre des unités. Donc les unités, c'était 6, donc ici, c'est 3. Ouais, on commence à découvrir le nombre. Alors, ça c'est fait. 4. Mon chiffre des dizaines de millions est égal au tiers de mon chiffre des unités. Donc les unités c'est 6. Le tiers de 6, faut trouver quelque chose qui 3 fois quelque chose fait 6. Donc normalement on met 6 divisé par 3. Et c'est égal à 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 3, ça me donne bien 6. Donc, ça sera 2. Et il faut le mettre où? Mon chiffre des dizaines de millions. Donc ça, c'était millions, dizaines de millions. Donc ici, c'est 2. Ok, ça avance. Alors, je vais les écrire comme ça. 2, on a 3 ici, et on a 6. Ok. J'ai l'impression en fait qu'il est un peu moins dur que l'autre. Ok, ça c'est fait. 5. La somme de mon chiffre des centaines de mille. Centaines de mille, c'est toujours celui-là. Et de mon chiffre des centaines est égal à 8. Alors les centaines, c'est là. 1, 10, 100. Donc ça plus ça doit être égal à 8. 3 plus celui-là est égal à 8. Donc ça veut dire que le point d'interrogation ici, comme on avait vu tout à l'heure, c'est 8 moins 3. Et 8 moins 3, c'est quoi? C'est 5. Donc si je ne me trompe pas, ici c'est 5. Alors ensuite, ça c'est fait. Alors je ne suis pas trompé, la somme de mon chiffre des centaines de mille et de mon chiffre des centaines est égal à 8. Donc ok, je ne me suis pas trompé. 6. La différence entre mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines est égale à 5. Alors, on nous dit que 6 moins ça, moins les dizaines, c'est égal à 5. Donc, ça veut dire que si je mets un 1 ici, 6 moins 1, c'est bien égal à 5. Donc ici, j'ai un 1. Ok. Super. Ça, on l'a fait. 7. Le produit de mon chiffre des dizaines de millions. Donc, dizaines de millions, c'est celui-là. Alors, j'ai peut-être effacé cela. On va effacer ça. Alors, c'est lequel déjà? Le produit de mon chiffre des dizaines de millions. Dizaines de millions, donc c'est celui-là. Par mon chiffre des dizaines de milliards. Donc ça, c'était milliards, dizaines de milliards, c'est là. Donc celui-là, j'ai qu'à l'appeler, par exemple, à les points d'interrogation parce que je connais pas. Alors on me dit que celui-là fois celui-là, ça donne combien? Alors, point d'interrogation plus 2, ça doit être égal, on nous dit la somme des trois chiffres de la classe des unités. Ah oui, alors t'as dû voir ça. La classe des unités, alors j'avais jamais entendu ça en fait, mais je suppose que ça c'est la classe des unités. Alors on va regarder dans ton cours, tiens. Ah, c'est là dans ton cours. Bah, j'apprends des trucs. Donc la classe des unités, c'est ces trois-là. Classe des mille, classe des millions, classe des milliards. Donc ça s'appelle la classe des unités. Donc classe des unités, c'est là. Des unités. Ok, donc on nous a dit que ça plus ça,
c'était égal à la somme de la classe des unités. Donc la somme de la classe des unités, c'est 5 plus 1 plus 6. Alors ça va pas le faire. Alors j'ai dû me tromper, on va regarder, parce que là en fait 5 et 1, 6 et 6, 12, le maximum que je peux mettre ici sur point d'interrogation, c'est 9. Donc là j'ai un problème. Aïe. Alors on va reprendre l'exo. Donc on en était là. Donc le produit de mon chiffre, ah c'est le produit, c'est pas la somme, ouf, je croyais que c'était plus possible du coup. Donc mon point d'interrogation fois ça, donc c'est égal à la somme des trois chiffres de la classe des unités. Ah alors là ça va mieux, donc ça veut dire point d'interrogation fois 2, c'est égal à 12. Ah là ça marche, ça veut dire que le point d'interrogation c'est 6, 6 fois 2, 12, ouf. J'ai pas à refaire tout depuis le début. Donc ici, on a 6. Ok, c'est bien. Ok, alors on en est là. On nous dit la somme de mon chiffre des centaines. Les centaines, c'est là. Donc ça fait 5 plus. Et de mon chiffre des centaines de mille. Centaines de mille, 100 000, c'est là. Donc 5 plus 3 égale. Donc c'était ces deux-là. Est égal à la somme de mon chiffre des dizaines. Dizaines, c'est là, c'est 1. Plus. Et de mon chiffre des centaines de millions. Donc ça, c'était le million, dizaines de millions, centaines de millions. Donc ça, c'est bien, parce que c'est un point d'interrogation. Donc on va découvrir quelque chose. Donc 5 plus 3, 8 doit être égal à 1 plus quelque chose. Donc ça, 1 plus 7. Donc on a celui-là. Super, donc c'est 7. Ok, alors maintenant, on est là, bientôt à la fin. Mon chiffre des unités de millions, c'est là le million, donc celui-là, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ça? Et le quadruple de mon chiffre des dizaines de millions. Donc il est 4 fois plus gros que les dizaines de millions. Les dizaines de millions, donc c'est juste celui d'au-dessus, c'est 2. Donc est égal à 4 fois 2, est égal à 8. Donc on a un petit 8 ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Parce qu'il nous reste quand même plusieurs points d'interrogation. Tous les chiffres sont présents au moins une fois dans mon écriture. Et mon chiffre des unités de 1000. Alors, les unités de 1000, c'est là. Est supérieur à mon chiffre des dizaines de 1000. Donc, celui-là, il doit être supérieur à celui-là. Ok, et c'est tout? Ah, lui-même supérieur à mon chiffre des unités de milliards. Donc, lui, il est plus grand que celui-là. Ok, alors quels sont les chiffres qu'on n'a pas utilisés? Alors, 1, on l'a utilisé. Alors, 0, on l'a pas utilisé. 1, on l'a utilisé. 2, 3, on l'a utilisé. 4, on l'a pas utilisé. 5, on l'a utilisé. 6, on l'a utilisé. 7, on l'a utilisé. 8, il nous manque le 9. Donc, on nous a dit que celui-là est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là. Donc, on n'a pas le choix. 9, 4 et 0. Ouf, ça y est. Donc, le nombre, c'est celui-ci. Et on a fini l'exercice si je me suis pas trompé. Dernière chose que je voulais te montrer avant de terminer sur cette vidéo, c'est en fait on a utilisé dans notre système pour représenter les nombres des chiffres entre 0 et 9. Hop, jusqu'à 9. Et en fait, est-ce qu'on aurait pu choisir autre chose? Eh ben oui, en fait. D'ailleurs, sur les ordinateurs, eux, ils préfèrent en fait avoir que deux valeurs à gérer, c'est-à-dire, par exemple, allumé, éteint. C'est plus facile à construire des ordinateurs comme ça. Donc, eux, la base, c'est la base 2.
Donc, je vais juste te montrer à quoi ça ressemble. Donc, nous, on dit que la base qu'on utilise, c'est la base 10. Tu vois, le 10, on le voit apparaître partout, là. 10, 10 fois 10, 10 fois 10 fois 10. Et puis, les nombres vont de 0 jusqu'à 9. Il y a 10 nombres ici. Il y a 10 chiffres, pardon. De 0 à 9. Donc, si on regarde la base 2, donc ça, on dit que c'est la base 10. Donc, si on regarde la base 2, ça donne quoi en fait? La base 2, donc je vais reprendre des petits carrés. Donc si on regarde la base 2, à partir de là, ici maintenant en fait, on multiplie plus par 10 à chaque fois là. Donc on multiplie par 1 ici, mais là on multiplie par 2. Ici par, encore on fait un fois 2 par rapport à celui-là, donc fois 4, fois 8. Donc à chaque fois on fait fois 2 en fait. Fois 16. Donc là, c'est toujours des plus qu'on va faire entre chaque boîte. Et maintenant, comme c'est la base 2, on a le droit d'utiliser que 0 et 1 comme chiffres. Voilà, ici, là, on en a deux. Donc, si je mets par exemple un nombre, je sais pas, si on met 1 ici, 1, 1, 1, 1, bon, imaginons que ce soit, il y ait que des. Oh, on va mettre un 1 ici et un 0 ici. Donc là, ça, en base 2, ça représente le nombre. Donc on fait 1 fois 16, donc ça fait 16, plus 0 fois 8, 0, plus 4, plus 1 fois 2, 2, plus 1 fois 1, 1. Donc ça représenterait 4 plus 2, 6, plus 1, 7, plus 16, 23. Donc là, bien sûr, quand j'écris ça, c'est de la base 10. Parce qu'on écrit tout, nous, quand on fait nos calculs, on fait toujours en base 10. Mais ça, du coup, si jamais, souvent, nous, moi, en informatique, on manipule des nombres comme ça, 1, 0, 1, 1, 1. On dit, c'est de la base 2. Donc, tu peux marquer, des fois, on marque en dessous, enfin, base 2. Alors, soit on met un petit truc pour l'indiquer ici. Des fois, dans des langages de programmation, ils mettent un petit 0B devant pour dire base 2, mais on peut aussi mettre un petit 2 là pour dire oui, je parle de la base 2. Ça, ce nombre-là, il est en base 2. Parce que bien sûr, en base 10, ça fait pas 23. Ça, en base 10, c'est 10 111. Mais comme nous, on manipule que de la base 10, on dit jamais, ah ben, les nombres que je suis en train de dire, que je suis en train d'écrire, ils sont en base 10. C'est par défaut, c'est ça. Mais moi, en informatique, ben, on manipule la base 2 pour écrire des nombres dits en binaire. Et d'ailleurs, il y a une blague d'informaticien. Je vais te montrer. Il y a un t-shirt où il y a une petite blague. Bon, j'ai pas trouvé le t-shirt en français. J'ai trouvé que de l'anglais, donc, mais j'ai trouvé quand même la phrase. Donc, ça dit, il y a 10 types de personnes dans le monde, celles qui comprennent le binaire et celles qui ne le comprennent pas. Alors, la blague, je sais pas si tu vois, mais c'est parce qu'en fait, ça, si on le lit en base 10, donc comme normalement on le lit, ça fait 10, mais en binaire, si je l'écris, comme on a vu ici, en base 2 du coup, attention, qu'est-ce que ça va donner? Donc, en binaire, ça voudrait dire ça. Voilà, le 1, 0, ça serait ça. Donc, ça ferait 1 fois 2 plus 0 fois 1, donc ça serait égal à 2. Et donc, si on le lit en binaire, ça veut dire qu'il y a deux types de personnes dans le monde, celles qui comprennent le binaire et celles qui ne comprennent pas. Et là, on voit pourquoi. Donc juste pour terminer, ici j'ai écrit un petit programme juste pour afficher les nombres en base 10, donc la base qu'on utilise tout le temps, ici. Et à côté, en binaire, comment c'est représenté. Donc là, tu vois, le 0B, c'est juste pour dire que c'est du binaire, pour nous avertir que c'est du binaire, que c'est de la base 2. Donc voilà, par exemple, 19, c'est représenté en base 2, c'est comme ça. Et en base 10, donc ce que nous, on manipule tout le temps, c'est comme ça. Ok, donc je vais arrêter là. Bon courage pour l'école, à bientôt!